Un, deux, trois. Le secret. Oh, la belle pomme dorée. Ce sera mon secret. Je vais la cacher. Qu'est-ce que tu as caché? Demande l'écureuil. C'est mon secret, je ne le dirai jamais. Qu'est-ce que tu as caché? Demande l'oiseau. C'est mon secret, je ne le dirai jamais. Qu'est-ce que tu as caché? Demande la tortue. C'est mon secret, je ne le dirai jamais. Qu'est-ce que tu as caché? Demande l'hérisson. C'est mon secret, je ne le dirai jamais. Qu'est-ce que tu as caché? Demande le lapin. C'est mon secret, je ne le dirai jamais. Qu'est-ce que tu as caché? Demande la grenouille. C'est mon secret, je ne le dirai jamais. J'ai un secret et personne ne le connaîtra jamais. Bravo. Vas-y. Toujours rien. C'est bon, c'est bien, tranquille, pas dans le sang. Toujours rien. Bah voilà, ce matin, de bonne heure, monsieur lui a creusé un trou énorme dans la tête. Dans ce trou énorme, monsieur lui a laissé tomber une petite graine pleine de promesses. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre. Après, si moi je suis indispensable là... Puis monsieur lui a repoussé le trou énorme et a sauté dessus de toutes ses forces pour tasser la terre. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre, bien tassées. Ensuite, monsieur lui a bien mouillé la terre avec son arrosoir. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre bien tassées, bien humides. Enfin, monsieur lui a dit, je t'attends. Parce que les petites graines adorent sentir qu'on les aime et qu'on les attend. Le lendemain, monsieur lui est venu voir si quelque chose avait poussé. Il n'y avait rien à voir. Évidemment, c'était trop tôt. Il faut être patient, dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Le lendemain, monsieur lui est revenu. Si quelque chose avait poussé, il n'y avait rien à voir. C'était encore trop tôt. Je reviendrai demain, dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Le lendemain, monsieur lui était fidèle et à son rendez-vous. Il n'y avait toujours rien à voir. C'est long à pousser, dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Le lendemain, monsieur lui est venu. Encore une fois, il n'y avait toujours rien. Aucune trace de la petite graine. J'en ai assez, dit-il un peu énervé à l'oiseau. Pas la peine que je revienne demain. Mais l'oiseau ne répondit rien.
Quelle fleur, dit l'oiseau, qui avait retrouvé sa langue. Si je l'offre à ma copine, elle m'embrassera ma chambre. Cet oiseau était amoureux, ça c'est sûr. Toujours rien, a dit Monsieur Louis, quand il revenu le lendemain. Merci. Allez, à toi. Je suis à Lyon. Anthony Louchard. Bien fort. Crie. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Et toi, tu peux te pousser de là? T'es en plein sur ma route, s'il te plaît. Toc, toc, toc. Oh, je te cause gros. T'es nouveau dans le coin? Tu sais seulement à qui tu... T'as affaire là? Tu sais que tu joues avec ta vie, toi. Tu veux que je m'énerve, c'est ça? Petit canard, je te trouve bien inconscient de venir me déranger en pleine sieste. De plus, j'ai rien mangé depuis ce midi. Et c'est l'heure de mon goûter. Tu devrais être mort de peur. Bien, je te ferai. Dire que tu ne devrais porter des lunettes, mon petit bonhomme, parce que je suis pas du tout un canard. Je suis à Lyon. Et les lions n'ont peur de rien. Hoc. En tout cas, bravo, mademoiselle.